Non, arrête, il faut qu'on se lève. Allez, arrête. Oh, on était bien, Virginie. Non, mais on a plein de choses à faire. C'est pas marrant, je prends une matinée comme ça pour rester avec toi et toi, tu me dis qu'on a plein de choses à faire. Ouais, c'est pas drôle. Mais on doit faire des courses et tout. Puis moi, j'en ai marre, je peux pas porter tout toute seule. Ah, des courses, c'est sympa, super programme. Faire les rayons avec toi, non, c'est génial. Mais, je veux dire, franchement, on a pu faire autre chose. Bon, fais pas la tête, allez. T'es paresseux, hein. Reste encore un petit peu. Non, non, il faut que j'y aille. Allez, lève-toi. Oh là là. C'est quoi ça, là? Je sais pas. T'es superbe, là. Je vais voir qui c'est, hein. Oui, deux secondes. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Tenez, c'est pour vous. Oui, qu'est-ce que c'est? Les clés de la moto. Petite signature, s'il vous plaît, ici. Vous êtes pas trompé, là? Vous croyez pas? Ah non, c'est bien pour monsieur Luc Dubreuil. Il habite bien ici, non? Oui, oui. Attendez deux secondes. Luc! Luc, viens, viens, c'est important, c'est pour toi. Je vous le garde en bas, hein, devant la porte. D'accord. Viens. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous ai livré la moto, donc voilà. Je suis désolé, il faut vraiment que j'y aille, parce que je suis très en retard et j'ai encore du boulot. Hein. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est quoi, ça? Alors, comme ça, tu t'es acheté une moto? J'espère que tu plaisantes, là, tu crois pas un mot de son histoire. Enfin, vu l'état de nos finances, excuse-moi, je veux dire, j'ai pas la tête à ça. C'est quoi, hein. Ça, c'est quoi? C'est pas des clés de moto, par hasard? Oh, c'est pas un poulet, c'est sûr, hein, c'est des clés de moto, ça ressemble à des clés de moto. Puis il y a une petite carte aussi, pour Luc. Oh, ça va, s'il te plaît, arrête. Bonne route, je suis sûr qu'elle croisera la mienne. Anita Durville, bon. Attends, Anita Durville, attends, mais c'est la milliardaire de l'autre jour, ça, non? Ouais, attends, bouge pas, je vais voir, hein. Oh la vache! Ah, c'est pas foutu de moi, hein! Et dis-moi, une moto comme ça, ça coûte. Oh, je sais pas, au moins. Elle est super, moi, pour rien. Alors, comme ça, tu te fais offrir une moto? Attends, arrête, Virginie, c'est vraiment une malade, cette fille. Moi, je sais pas ce qu'elle veut, moi, hein, franchement. Bah, elle est généreuse, en tout cas. Oui, bah, alors, si elle espère m'acheter avec sa moto, c'est raté, parce que moi, on n'achète pas, hein. Ah. Si c'est elle va m'entendre. Écoute bien, ouvre grand tes oreilles. Oui, allô, alors je peux... Oui? Oui, bonjour, monsieur Lapasse. Oui, non, pardon, excusez-moi, je pensais que c'était que... Vous savez bien, j'ai... Non, j'ai pris ma matinée, oui, effectivement. Écoutez, non... Mais pourquoi? Non! Ok, d'accord, oui. Oui, d'accord. Très bien, monsieur Lapasse, j'arrive tout de suite. Oui. D'accord. Oh, c'est pas vrai, j'ai... Qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas trop, il veut me voir tout de suite. Je me demande ce qu'il veut. Je croyais que t'avais pris ta matinée. Oui, bah tu vois, il me l'a reprise. Bon, enfin, si je comprends bien, je vais faire les courses toute seule, une fois de plus. Sympa, ok. Arrête, Virginie, prends pas comme ça, on va les faire ensemble, les courses. Mais je vais aller voir monsieur Laplace, je suis obligé. T'as qu'à me rejoindre dans la salle de sport, et puis après, on ira faire les rayons, comme ça, avec notre petit caddie. Et la moto, t'en fais quoi? Bah, je vais lui rendre, évidemment, enfin, quand même. Moi, j'en ai marre de cette histoire. Hein. Je veux que t'ailles lui parler, qu'elle nous laisse tranquille, d'accord? Tu promets? Promis. Non, mais je te comprends, je vais lui parler. T'inquiète pas qu'elle va m'entendre. Bon, je compte sur toi. À tout de suite. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers? Ce que vous voulez. Non, un café, s'il vous plaît. Ok, un café. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Vous connaissez Luc? Oui. Il m'a dit qu'il venait souvent ici. C'est vrai? Vous êtes une de ses amies? Pas vraiment, mais ça ne saurait tarder. Je m'appelle Anita Durville. Vous avez dû entendre parler de moi. Ah, oh, c'est vous, la folle. La folle, c'est ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas? Oh non, pas du tout. Oh, vous inquiétez pas, faites pas cette tête. Je sais qu'on m'appelle comme ça chez vous. Ah ben, bon, c'est vrai qu'on a bien entendu parler de vous. Il paraît même que vous avez voulu acheter Luc à Virginie. Non, mais... Tout à fait. Cette sotte a refusé mon offre. Vous savez, c'est normal, hein. On n'achète pas des gens comme ça. Vous êtes naïve. Tout s'achète. Ben, je ne suis pas d'accord. Ah bon? Et votre patron? Il n'achète pas votre temps, vous forçant à rester là? Ben, ça n'a rien à voir.
Et pourquoi pas? Il vous achète pour vous faire travailler. Moi, je vais acheter Luc pour l'aimer. C'est beaucoup plus gentil. Bon, d'accord, c'est... Enfin, dites-moi sinon, j'aimerais savoir le genre de personne qu'il côtoie, les endroits où il va. Vous pouvez peut-être me renseigner? Non, je regrette. On ne fera rien pour vous. Virginie, c'est notre amie. Comme vous voudrez. Je suppose que si je vous proposais de l'argent... Ah? Ah, non. On vous dira non. Tant pis. J'avais beaucoup d'argent à vous proposer. Mais vous savez, nos amis valent beaucoup plus cher que ça. Ridicule. Enfin. Vous comprendrez peut-être un jour. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sandra Bonnet, je suis rédactrice en chef du journal de la fac. Bonjour. Excusez-moi, mais j'ai entendu votre conversation sans le vouloir et je peux peut-être vous renseigner. Ah, ben parfait. Je m'appelle Anita Durville. Oui, je sais, je sais. Je peux m'asseoir? Oui, vous connaissez Luc? Oui, plutôt très bien. Je peux vous aider. Et je vous écoute. Bon, ça, c'est demain. Voyons, ça pourrait aller toi ce matin. Pas vraiment bavarde, hein? Ça pourrait aller mieux, quoi. Bah attends, ça pourrait toujours aller mieux. Je préfère me dire que ça pourrait aller plus mal, hein? On voit les choses différemment. Ouais, mais toi, t'es un sage, c'est pour ça que tu dis ça. Ah non, mais hé, vu le physique, je veux dire, ça va au mieux. Ah bah voilà, au moins, tu fais un petit sourire. Ouais. Hein? Bon, ça fait combien de temps qu'il est dans le bureau de monsieur Laplace, là? Je sais pas, 10 minutes. 10 minutes, c'est trop long, moi, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre. Mais ça va. Bon, je prends un autre jus d'orange. Ça va? Salut. Salut, Anthony. Salut. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je croyais que tu travaillais pas ce matin. Bah, moi aussi, je croyais, mais Laplace voulait le voir. Rien de grave, j'espère. Je sais pas. Ah, ok. Hey, dis-moi, toi. J'ai vu une super bécane là devant. À qui elle est? Ah, bah, ça, j'en sais pas. Je sais pas, c'est quoi? Une superbe moto, genre. Vraiment très très belle. Oh. Tu sais pas à qui elle appartient? Non, non, non. Bah, moi, je sais. À Luc. Non. Il avait un héritage ou quoi? Non, non, c'est un petit cadeau d'Anita Durville. Anita Durville? La fille du milliardaire, la fille à papa, là? Bah oui. Non. Génial. Elle l'a reçu ce matin. Oh, la chance. Il a de la chance, celui-là. Comment ça me fait? C'est carrément bien, quoi. C'est génial. Et vous trouvez ça génial? Bah oui, bah, attends. Ouais, enfin... Non, c'est vrai que c'est... Moi, bon, c'est bizarre, ouais. Bizarre? Mais attends, tu veux dire que c'est n'importe quoi? Arrête, là, Anthony, tu rigoles ou quoi? Non, non, c'est vrai, c'est... Non, ça va, c'est n'importe quoi. Ah, tu te mets contre moi, toi? Mais non, mais elle a un peu raison, quand même. Ah, ah bah, voilà le vénard. Et toi, t'as une moto, toi? Toi, t'as une moto, je la veux. Hein. Arrête, ça va, ça va. Bon, mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Laplace veut que je m'occupe personnellement d'Anita Durville. Oh non, t'en sais pas, ouais, là, je rêve. Ah, cette petite capricieuse veut que je l'entraîne pour un tournoi qu'elle doit faire prochainement, là. N'importe quoi, mais n'importe quoi, là. Non, mais attends, en plus, c'est qu'elle me veut moi et pas un autre, tu vois, c'est vraiment moi. Ah, moi, je dis, fille milliardaire, ça se négocie, tu vois. Bon. Je crois pas, je rêve, là. Mais c'est pas une question d'argent, j'aime pas être manipulé, c'est tout. Je suis pas vénal, en plus. Bon, et alors? Bah alors, il se trouve que le père d'Anita est un ami intime de monsieur Laplace, quoi. Et il insiste pour que je m'occupe d'elle. Alors, je suis un peu en porte-à-faux, là, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu comptes faire? Et j'en sais rien. Si je refuse, je risque la mise à pied. Tu connais monsieur Laplace, enfin... C'est vraiment un escroc. Ça, tu l'as dit, ouais. Un escroc. T'acceptes. Quoi? Bah oui, t'acceptes. Tu vas lui expliquer les choses clairement, il va nous laisser tranquille et puis c'est tout. Oui, bah ça, j'espère, oui, parce que ça commence vraiment à me taper sur le système, cette histoire. Ouais, je vais faire les courses. Tant que j'y vais toute seule, comme d'habitude. Bah, si j'accepte, oui. Ah, attends, Virginie. Écoute, je me mets à ta place, je te comprends, je voudrais pas que tu t'inquiètes. Tu peux me faire confiance. Je t'aime, mais... Je sais, mais vous, moi, j'en ai marre, cette histoire, d'accord? Je veux que ça s'arrête. Je suis pour rien, moi, tu sais bien, enfin, je veux dire... Je sais, excuse-moi. Bon, salut tout le monde. Salut. Virginie! Écoute, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je t'aime. Hein? Tout à l'heure. Ouais. Ça serait vraiment sympa si tu me prêtais la bécane, toi, parce que je vais aller faire un petit tour. Moi, je n'ai pas de bécane comme ça. Hein, je vais faire un petit tour avec. Attends, t'es gentil d'abord, c'est pas ma bécane. Faut que je la rende à Anita Durville. Alors tu me lâches avec ma bécane, d'accord? Oh, t'énerve pas, hé. Hey, cool. C'est drôle, on dirait un vrai journal ici. Mais c'est un vrai journal. Tu t'y connais? Oh, mon père doit en avoir une bonne douzaine. Tu voudrais être journaliste? Ah ouais, j'aimerais bien, ouais. Je crois que je suis assez douée pour ça, en plus. Toi, j'ai commencé par une petite rubrique de potins, et me voilà responsable du journal. Tu m'as l'air d'être une petite maligne, toi. Ah bah, c'est indispensable. Remarque, tu dois le savoir tout aussi bien que moi. Non, moi, j'ai pas besoin d'être maligne. Je paye les autres pour l'être à ma place. Justement, je crois qu'on est faites pour s'entendre, tu vois.
Et à propos d'argent, j'ai une petite idée d'investissement qui pourrait te servir. Je n'en attendais pas moins de toi. Alors voilà, l'idée d'avoir offert une moto à Luc était très bonne. Et je crois qu'il faut continuer à s'appeler Morale de Virginie. Je t'écoute. Bah, ce qui pourrait faire son petit effet, c'est une publicité dans le journal de la fac. Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi pas, c'est pas bête. Je te réserve une double page dans le journal, avec un texte tout simple, écrit noir sur blanc, en gros, en énorme. Et qui dit quoi? Luc, je t'aime, signé Anita. C'est pas mal. Mais tu crois que ça va porter ses fruits? Oh, fais-moi confiance. La Virginie, elle va baliser. Elle va lui faire une scène, elle va être morte de honte. Elle va le quitter, puis t'auras plus qu'à ramasser Luc à la petite cuillère. Tu es sûre? Mais oui, t'inquiète pas. Virginie, c'est une gourde, elle est trop fière, puis elle va pas supporter ta concurrence. Tu veux combien? Bah, je sais pas, faut que j'en parle avec Louis-Philippe, le directeur du bureau des élèves. J'ai pas le temps, là. J'ai un cours de tennis à prendre, ah. Avec Luc, justement. Mon chéquier. Bon. Ça te va, ça? Ah mais ouais, largement, ouais, c'est bon. Je le mets à quel ordre? Je mets ton nom? Non, laisse, je le mettrai à l'ordre du journal. Bon. Et je m'en vais. J'espère que je peux te faire confiance. Oh, t'inquiète pas, je suis douée pour ces affaires, moi. On verra. Je te raccompagne. Bah, bon tennis et ciao. Ok, bonne journée. Ciao. Salut Virginie. Salut. Alors il paraît qu'on va être bientôt célibataire. Ça te ferait plaisir, non? Oh, c'est la vie, ça. Et puis tu crois pas garder Luc éternellement? Qu'est-ce que t'en sais, t'es voyante? Mais réfléchis un peu. Anita est jolie, puis elle a de l'argent. Et alors, je dois avoir peur, c'est ça? Là, ta place, je laisserai tomber, moi. T'as aucune chance. Sandra, t'es pas ma place et tu le sauras jamais. Pauvre fille. Ça va, pas trop fatigué? Non, ça va. Bon, écoutez, le cours est fini maintenant. On pourrait aller boire un verre avant de se quitter. Il faut que je vous parle. Ça tombe bien, moi aussi. Ah bah enfin, vous n'avez pas décroché un mot de la journée. Écoutez, mademoiselle, je ne suis pas payée pour vous faire la conversation, mais pour vous entraîner. Je sais. Bon, allez, on va s'asseoir, je suis vannée. Ce sera un cocktail de fruits pour moi. Très bien. Harry, ouais. S'il te plaît, deux cocktails maison. C'est parti. Ouais. Vous me plaisez. Tenez, je crois que c'est à vous. C'est quoi? Les clés de la moto. Elle vous plaît pas? Elle est belle pourtant. Oh, elle est très très belle, oui, bien sûr, oui. Mais le prix à payer pour l'obtenir ne convient pas. Je vois. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Je vous plais pas? Je vais être franc avec vous. Si je vous entraîne, c'est pas par plaisir. C'est parce que mon patron m'a menacé de me virer si je faisais pas. Je sais, mais je m'en moque. Le principal pour moi, c'est d'être avec vous. Écoutez, le petit jeu a assez duré. J'ai une fiancée, je vous l'ai présentée d'ailleurs. Et je l'aime. Alors vous perdez votre temps. On verra ça. C'est pas la peine d'insister, hein. Ne me force pas la main. Vous êtes bien sûr de vous? Bon, très bien, je vois que c'est un peu dur d'oreille. Vous m'obligez à être désagréable, alors je veux l'être. Vous n'êtes pas du tout mon genre. Et même si j'étais libre, je ne sortirais pas avec vous. Vous êtes aux antipodes de mon idéal féminin. C'est... Vous êtes dur? Mais je vous crois pas. Vous avez la réputation d'être un dragueur forcené qui trompe sa copine à tout bout de champ. Ah, ce sont que des mensonges, ça. Je suis pas comme ça. Ah. Bon. À mon tour d'être franche. Je suis tombée amoureuse de vous, Luc. Je sais qu'on a déjà dû vous le dire des centaines de fois, mais pour moi, c'est la première fois. Je vous aime. Écoutez, Anita, je... Non, c'est... là, laissez-moi terminer. Je sais ce que vous pensez de moi. Je suis une fille gâtée, insupportable, capricieuse, mais j'y peux rien, je vous aime. C'est plus fort que moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Je te vois la ridicule. Non, au contraire.
voyez, pour la première fois même, je vous trouve touchante. Mais c'est pas la peine d'insister, je suis vraiment très amoureux de ma fiancée. Vous perdez votre temps, là. Je comprends. Faut pas m'en vouloir, Luc. J'étais très, très maladroite. Mais la vérité, c'est que je... J'ai jamais trop su quoi faire de mes sentiments. Je vois. Et deux petits cocktails, deux. Je m'en vais. Merci de m'avoir écouté. Bah, de rien. Bon, bah mes cocktails. On va les boire, tes cocktails, ça va. Chaud l'ambiance, là, hein, quand même. Hein. Cette fille est complètement folle, c'est 10 fois le tarif. Elle emploie son argent comme elle le veut, Paul. Ça te regarde pas, ça. Ouais, enfin, quand même, Sandra, t'as vu la somme? Et alors? Attends, moi, si j'avais de l'argent, je ferais exactement la même chose, hein. Je me paierais tout ce qui me plaît. Ouais. Ouais, n'empêche que moi, je trouve ça malsain, tout ça. Bah, donne-moi ça, hein. C'est moi qui gère. Bah, tu vas quand même pas encaisser ce chèque. Ah non, pas toute seule. Faut que j'en parle à Louis-Philippe avant. Ah ouais, bien sûr, ouais. Ouais, vous allez partager le gâteau. Mais non. Une partie ira tout de même au journal. Ouais. Entrez. Sandra, il faut que je te parle. Oui, bien sûr. Tiens, je te présente Paul. Bonjour. Bonjour. On annule tout. Comment? Attends, regarde, j'ai commencé à préparer la maquette. On annule tout, je te dis, tu m'as menti. Luc est vraiment amoureux de Virginie. Tout ce que je pourrais faire n'y changera rien. Bon, qui t'a dit ça? Lui. Je voudrais que tu me rendes mon chèque. Bah tiens, le voilà. Mais je crois que tu fais une grave erreur, Anita. J'ai plus confiance en toi. Comme tu voudras. Mais c'est que tu dois pas aimer suffisamment Luc pour faire ça, non? Détrompe-toi. J'aime peut-être encore plus maintenant. Bah alors, pourquoi renoncer? C'est stupide, là, je comprends pas. Mais Luc n'est pas le coureur que tu m'as décrit. C'est un garçon bien, il ne trahira pas Virginie. Je vois pas pourquoi il l'a fait plusieurs fois, il y a pas encore si longtemps. Je vois pas comment il peut changer du jour au lendemain comme ça. Tu as des preuves de ce que tu annonces? Ah oui, j'en ai la certitude. Je voudrais que tu précises. Ouais, je suis sortie avec lui, n'est-ce pas, Paul? Ouais. Ouais. Tu as été la petite amie de Luc? Mmh. Bon, Paul, tu nous laisses, s'il te plaît. D'accord. Au revoir. C'est la vérité, tu es sortie avec Luc? Oui, je peux même te dire que c'était très bien. Virginie l'a su? Oui, je lui ai même dit en face. Elle reste avec lui quand même? Ouais. Mais ça m'étonnerait qu'elle pardonne une autre trahison. Je sais plus ce que je dois faire. Mais fais ce que je te dis, Anita. Ne laisse pas tomber. Luc, tu vas la voir, c'est un faible. T'es vraiment une vipère. Ouais, si tu veux, mais... Mais tu peux me faire confiance. Je te promets que Luc sera à tes pieds dans moins d'une semaine. Puis j'ai une autre idée qui devrait te séduire. Qu'est-ce que c'est? C'est déjà bien que t'aies parlé avec Luc. À mon avis, il t'aime un peu plus maintenant. Non, je me trompe? C'est vrai? Bon. On annule toujours la double page? J'en sais rien, je sais plus où j'en suis. J'ai tellement l'habitude d'obtenir tout ce que je veux que... Que quoi? Mais que cette histoire commence à me mettre hors de moi! Bon, allez, calme-toi, hein, calme-toi, laisse-moi faire. Je vais te suggérer une petite idée et t'en feras ce que tu voudras, d'accord? Vas-y, je t'écoute. Bon, alors voilà. Ah, voilà, ma chérie. J'espère que je me suis rattrapée. Bah, c'était très bon, en tout cas. Oh, je te devais bien ça, tu sais. Puis c'est vrai que c'est pas désagréable de manger autre chose que des pâtes, hein. Mais je savais pas que tu faisais bien la cuisine. Bah, écoute, moi non plus. Je me suis rendu compte que j'étais l'image du possible. Oui, oh, c'est beau, ça. Tu trouves? Arrête de te moquer, toi, d'accord? Non, je me moque pas. C'est que je t'aime. Moi aussi. Et comment ça s'est passé, ta journée avec Anita? Bah, écoute, on a eu une explication, je crois qu'elle a compris. Oui. Bon, elle est pas aussi pénible qu'elle en a l'air. Hein. Pardon? Bah oui. Elle m'a avoué qu'elle était tombée amoureuse de moi. Elle a reconnu qu'elle avait été maladroite et qu'elle réussirait pas à me conquérir. Ouais. Bon, bah c'est essentiel. Ah, laisse tomber, quoi. Enfin, tout compte fait, c'est qu'une petite fille de riche. Tu veux un dessert? Ah oui, plutôt deux fois qu'une. Commence tout de suite. Ben, pourquoi pas. Hein? C'est quoi, ça? Je vois. Ah pardon, j'ai dû taper contre la porte, j'ai pas fait exprès, excusez-moi. Mais c'est quoi ces chaises là? Bah je déménage alors.
Ah, bah tu as enfin compris, tu pars de chez Sandra, c'est bien. Et avec les meubles en plus, tiens. Ouais, non, c'est pas tout à fait ça, non. Non, en effet, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Oh, ça va, doucement. J'ai le droit d'être ici, hein. Puis ça va, je suis pas rentrée chez vous, il me semble. Mais pourquoi plus que ça? Bon, tu fais quoi exactement, Paul? Oh bah moi, tu sais, on m'a demandé un coup de main, alors j'aide, hein. Le pourquoi du comment, c'est pas mon truc. Allez, à plus tard. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites chez les voisins, là? Bah, je suis ravie de vous annoncer que vous avez une nouvelle voisine. Ah bon? Ouais, Anita emménage dans l'appart d'en face. Pardon? Ouais, pour être près de son petit Luc. Toi, elle a échangé son appartement de 200 mètres carrés contre l'appart du voisin. C'est sympa, non? C'est n'importe quoi, là. Oui. Oui, inutile de demander de qui vient l'initiative, hein. Gagné, c'est moi. Ça, pour les bonnes idées, c'est toujours moi. Allez, ciao. Ciao. T'es sûr qu'elle a bien compris, Anita? Hein? Je te teste. Thank you.